Bonjour à tous, j'adore venir ici, j'adore venir à cet endroit, à Biarritz, avec cette vue merveilleuse. Pour ceux qui connaissent l'endroit, je suis donc juste à l'endroit du phare de Biarritz. Et je voulais vous emmener à cet endroit particulier pour vous transmettre un message. Voilà, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai lancé le programme Millésime. Et je voulais vous dire combien je prends de plaisir à publier ces photos quotidiennes. Et je voulais en même temps en profiter pour répondre à quelques questions et en même temps clarifier pourquoi je fais ce programme, car il est pour certaines personnes peut-être pas tout à fait clair. C'est normal, c'est pas, il n'y a pas de problème, c'est la raison pour laquelle je m'explique aujourd'hui. Pour commencer par certains de mes détracteurs, qui sont rares, je l'admets, hein, parce que je pense que j'ai beaucoup plus de vidéos de reconnaissance, et je vous remercie pour ceux qui m'envoient des messages de gratitude par mail, ou sur Facebook, ou sur les autres réseaux sociaux. Ça me touche profondément, et merci de m'encourager à faire ce programme. Pour les détracteurs qui me disent que je fais dans le voyeurisme, et que ce que je fais c'est du n'importe quoi, pour le dire gentiment et poliment, en général les détracteurs sont des gens, de toute façon globalement, qui prennent un instant T, ne prennent pas la peine d'analyser un contexte et portent un jugement sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est nul, c'est naze, je fais dans le voyeurisme. Pour ce qui est du voyeurisme, soyons bien clairs, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes tous des voyeurs et des gens qui aimons être vus. Et ce n'est pas parce que ça se fait par vidéo que c'est plus du voyeurisme que par texte. Quand nous postons un commentaire ou une humeur du jour sur Twitter, sur Google+, sur Facebook, c'est justement parce qu'on a envie d'être vu, d'être entendu, de partager, d'avoir un échange, peu importe. Mais aujourd'hui, nous vivons à l'ère où le voyeurisme, c'est ça. Tout est ouvert, on dit tout, et en tout cas, on dit tout jusqu'à une certaine mesure, on s'entend bien. Donc non, ce n'est pas du voyeurisme. C'est profondément et sincèrement motivé par la seule raison de partager avec vous, tout simplement pour une raison toute simple, c'est que dans mon entourage, quand je suis en tournée ou quand je suis en conférence, beaucoup de gens me demandent « mais comment tu fais ?» Et donc je me suis dit, au lieu de l'expliquer, eh bien, je vous le montre. Je montre comment se passent mes journées, ce qui se passe dans mon quotidien, parce que beaucoup de gens sont intrigués par « mais comment tu fais pour rester tout le temps positif, de bonne humeur, joyeux ?» Et maintenant, vous voyez que ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours agréable, mais je donne un sens positif à ce qui m'arrive. Donc autour de cela, j'ai créé donc ce programme Millésime, non pas par voyeurisme, mais pour vous montrer comment se passe une journée de quelqu'un qui est un professionnel de l'optimisme, parce que je le pratique dans ma vie depuis que je suis tout petit. Et lié à ces vidéos, je vous offre une formation pédagogique que vous pourrez trouver sur programme-millésime.com, un programme dans lequel je vous accompagne. Je vous offre sur toute l'année 30 séances de formation où je vous propose de faire des exercices pour vous, pour que vous, à votre tour, vous puissiez appliquer des principes fondamentaux qui pourront vous aider à être plus heureux, plus performant, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. C'est tout, c'est juste pour ça. Alors, en ce qui concerne certaines vidéos, j'ai constaté, bande de petits coquins, que quand Camille est avec moi sur les vidéos, on fait plus de vues que si je suis seul. Je sais pas comment je dois le prendre. Je le prends bien et je sais pourquoi. Et voilà, les vidéos avec Camille sont toujours beaucoup plus agréables, ça c'est clair. Voilà, donc juste ce programme Millésime, je vous le rappelle, au bout de 3 semaines, il est juste fait pour ça. Vous le prenez, vous ne le prenez pas, vous aimez, vous n'aimez pas. Peu importe, en fait, je le fais pour ceux qui ont envie de rentrer dans ce concept, dans cette idée. Je vous montre à quoi ressemblent mes journées, non pas parce qu'elles sont meilleures que les vôtres ou que celles de beaucoup d'autres, mais juste pour vous montrer comment un optimiste vit sa vie au quotidien et comment il gère son quotidien avec ses difficultés, ses aléas, ses épreuves, ses joies. Parce que c'est ça aussi, être heureux, c'est arriver à trouver des joies dans des journées, à savoir dire merci. Enfin voilà, je vais pas vous donner tous les éléments là maintenant. Mais je vous encourage vivement à participer à ce programme, non seulement en regardant mes vidéos, c'est chouette, c'est amusant, mais ça ne vous apporte rien concrètement en termes d'exercice. Je vous encourage à vous inscrire au programme Millésime, au palier qui vous intéresse. Il y a plusieurs paliers selon votre volonté, votre désir d'avancer. Et quand vous vous inscrivez à ces paliers, vous recevrez des
formations, des carnets pédagogiques. Voilà, donc je me répète, mais c'est vraiment très important, j'y tiens parce que j'ai mis énormément d'énergie et beaucoup de cœur à imaginer cette formation, à la mettre en place. Ça demande également beaucoup de techniques qu'on a mis en place également. Merci Nico, tu te reconnaîtras dans la vidéo. Et ce que je vous propose, c'est que prochainement, je vous offre une webconférence gratuite, bien entendu. La date sera en dessous de la vidéo. Une webconférence dans laquelle vous pourrez poser vos questions, vous pourrez assister et ce sera un échange entre vous et moi. Je le ferai dans les jours qui viennent. La date sera en lien et en marge de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez le programme, partagez-le et merci pour tous vos soutiens parce que je reçois beaucoup plus de gratitude et de soutien que de détracteurs. Je vous souhaite une bonne journée. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Et sur ce, je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil.